Séquence émotion à l'espace Yves Dutheil, où Michel Chibi a remis 3 médailles d'honneur à 3 personnalités bien connues des Quatre-Nomois. Tout d'abord, Marie-Odile Becker a reçu une médaille d'or qui récompense 35 années de travail dans la fonction publique. C'est grâce à ses qualités professionnelles qu'elle a gravi, année après année, les échelons de notre petite administration. Et je ne veux pas manquer de mettre en avant vos capacités de travail, votre goût du service public, votre disponibilité sans faille et vos initiatives permanentes pour faire, selon vos termes, avancer les choses. On dit généralement des fonctionnaires qui exercent depuis des décennies de responsabilité dans un même cadre et dans un même lieu, qu'ils sont la mémoire vivante de cette collectivité. La mémoire, vous l'êtes bien évidemment, puisque vous avez été associé à toute l'histoire de notre commune depuis l'année 1972. Et cela s'est révélé être très précieux, surtout en 1995, pour assurer la continuité du travail lorsque j'étais élu maire. Ensuite, Bernard Zener s'est vu remettre la médaille d'argent pour 20 ans de bons et loyaux services. Enfin, pour ses 30 ans de travaux accomplis pour la commune, la médaille de vermeil a été décernée à Francis Thierry. Une occasion inespérée pour nos reporters de leur demander ce qui les a marqués au cours de leur carrière. L'inauguration de la maison de l'enfant, du fait que le maire m'a délégué ce dossier, était une séquence émotion forte, du fait que le projet, je l'ai bâti de A à Z, et les jours de l'inauguration, effectivement, j'avais un pincement au cœur, notamment lorsque j'ai vu les premiers bébés arriver à la crèche et les premiers enfants, ça fait chaud au cœur. Les moments forts, disons, de ce mandat, c'était, la construction de la centrale, où on a eu à l'époque énormément de problèmes et de polémiques qui ont pu éclater et qui malheureusement, pendant une bonne partie, pendant quelques années, ont divisé un peu la population, qui heureusement maintenant, donc tout a été calmé. Pendant la cérémonie, où l'on notait les présences d'Anne Gromersch, René Barriga et d'autres maires du canton Quatre-Nomois, les médaillés ont pu compter sur le soutien de leurs collègues et surtout de leur famille, sans lesquels ils n'auraient jamais pu faire cette aussi belle carrière. Que vous inspire la centrale de Quatre-Nomois ? C'est une industrie, hein, c'est la peinture industrielle. J'aime beaucoup. Bon, je ne veux pas dire que j'ai l'habitude, mais j'en ai déjà fait par chez nous, du côté de la frontière. On a les aciéries allemandes. Mais c'est une autre façon, c'est une autre couleur. C'est plutôt les couleurs rouilles. Hein. Mais c'est autre chose. On essaye de... J'aime bien. De toute façon, plus il y a de tuyaux, plus il y a de câbles, plus le tableau trouve du mouvement et plus on arrive à le faire vibrer. Ça m'inspire. Y a une certaine architecture, je trouve. Hein, on peut dire que c'est pas beau, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi, au contraire, ça m'inspire beaucoup plus que je ne le pensais, de par les lignes, des lignes très droites, et au contraire avec les tours. Non, moi ça m'inspire, il y a du mouvement avec les fumées qui sortent. C'est assez intéressant dans mon style de peinture de jouer avec les contrastes des lignes et au contraire les volumes. À l'occasion des Journées du patrimoine, le CIP de la centrale nucléaire de Quatre-Nomois a ouvert ses portes au public en proposant diverses animations. Outre la visite du site et le parcours environnement, la mission communication a introduit l'art pictural dans son événementiel. D'un côté, la peinture, avec le défi proposé à plusieurs artistes locaux de coucher sur une toile en quelques heures leur propre vision des quatre tours. D'un autre côté, la photographie, avec l'exposition dans la coursive du CIP des œuvres de Jacques Schneider, un professionnel qui avait déjà travaillé avec l'équipe de la communication sur des photos de la journée de la femme et qui a proposé cette année des clichés sous forme de négatifs d'endroits peu fréquentés par le public. Alors moi je suis amoureux du bâtiment. Quand je dis du bâtiment, de tous les bâtiments, notamment un, l'aéro-réfrigérant, parce qu'en fait quand vous êtes à l'intérieur, on est dans une cathédrale des temps modernes en fait. Il y a une architecture gothique moderne qui est présente et c'est assez fascinant. Donc je pense que ça fait vraiment partie du patrimoine culturel français. Et en même temps, bien souvent, on dénigre en fait l'industrie. Et je trouve que c'est important en fait de montrer que les bâtiments industriels sont des bâtiments de qualité. De jeunes artistes en herbe, armés de pinceaux et de tabliers, ont également pu tester leurs coups de pinceau sur des toiles mises à leur disposition. Pourquoi apporter de l'art ? Tout d'abord, je pense qu'on sait très peu que la centrale
En étant construit, en fait, EDF a demandé à des architectes de penser l'intégration de ces centrales dans leur environnement. Donc effectivement, comme à Cattenom, cette centrale est l'œuvre de Claude Parrain, un architecte très connu. Donc je pense que c'est important aussi de faire découvrir aux gens leur patrimoine industriel et l'aspect artistique qu'il y a autour. Et d'autre part, la centrale est très impliquée, donc accorde beaucoup d'importance à l'art également. On est entre autres partenaire des palettes du patrimoine. Donc c'était le moyen aussi de faire savoir qu'on était là pour les artistes régionaux et de mettre en avant aussi, de montrer notre centrale sous un autre jour. Comme vous devez le savoir, entre le 27 et le 29 septembre, la télévision analogique disparaît pour laisser place à la télévision numérique. Plus de chaînes, une meilleure qualité d'image et moins de problèmes de réception, c'est ce que les établissements du paysage audiovisuel français nous promettent. À Cattenom, c'est Régicom qui gérera cette bascule pour les abonnés au câble. La personne qui est déjà câblée chez nous et qui a une télé avec un tuner TNT intégré dans son poste de télévision, donc là, à la bascule, entre le 27 et le 29 septembre, il aura juste à régler sa télévision. Et la personne qui est chez nous, mais par contre qui n'a pas une télévision intégrée, avec un tuner TNT intégré, devra lui passer par soit un adaptateur ou soit un autre équipement, soit par un abonnement CanalSat ou des choses comme ça, mais sinon par au moins un adaptateur TNT pour pouvoir avoir les chaînes en numérique chez lui. La municipalité a décidé d'offrir aux abonnés la moitié du prix de l'adaptateur de Régicom. Ce dernier ne vous coûtera donc que 30 euros. Cet équipement a la particularité de pouvoir vous servir de modem internet, puisque Régicom est connecté au réseau au débit 57. Et quelqu'un qui n'est pas abonné au câble, je vous conseille de venir déjà s'abonner. L'offre, donc, elle est de 23,50 € par mois. Et donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 60 programmes. Pour une offre globale internet et télévision numérique pour 29,90 € par mois. Et en ce moment, donc, on est sur un gros projet de téléphone pour passer, comme d'autres fournisseurs, à un triple play, donc téléphone, internet et télé. Et on se situerait environ à une cinquantaine d'euros. Régicom reste local. Hein, aujourd'hui, on connaît Régicom sur Montigny, on le connaît sur Cattenom. On sait que Régicom, c'est un dépannage de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Donc on reste très joignable. Et donc au niveau des délais d'intervention, on est très rapide. De plus, l'offre vous permet de capter certaines chaînes que la TNT ne vous propose pas, comme par exemple Eurosport 1 et 2, Canal J et surtout Reflet, votre télévision locale. Pour toute question sur l'équipement ou sur les abonnements, n'hésitez pas à contacter Régicom.